Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Lost in Random live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Paris à soudain qu'elle était une affreuse personne. Elle décidait de s'allonger pour mourir. Je ne sais pas trop d'ici, c'est juste un petit coup de morale, sans doute. Hey, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Secondaire, je ne m'entends pas. J'ai toujours une carte d'un marché. Bon. Toi là-bas, petit, sors-moi de là, s'il te plaît.
Richard. Did you see that? Evil could never defeat the Queen. Get him, Dicey!
tank. Une petite idée, ça fait du bien de se retrouver libre comme l'air. Pourquoi les autres ont-ils mis si longtemps pour t'envoyer, petite araignée? Je n'avais jamais eu un dé aussi bizarre avant l'instant, c'est un dé. Ici, je te présente le color. Ça veut dire enchanté, j'imagine. Je n'ai jamais vu de dé depuis une éternité. On voit un me réchauffe le cœur, vraiment. Je constate avec plaisir qu'entre vous deux, ça colle. Formidable. Soin deux gens, je suis resté seul très longtemps. Bien, personne n'est encore arrivé aussi loin, petite Danielle. Le visionnaire et la peintre m'envoient. Tu es en train de me dire qu'ils ont commencé à créer une carte pour toi? Non, d'un double 6, ils l'ont fait. Je ne sais pas ce qu'elle fera, mais ce sera la carte de mes rêves. Si tu le dis, petite Agnelle, je vais t'aider, oui. La dernière chance. La dernière carte. La dernière braquage. C'est parti. C'est plus une bataille contre les forces du mal qu'un braquage. Ne joue pas avec les sous les mots, petite Agnelle. Ma vie est tellement monotone ces derniers temps, j'ai besoin de sensations fortes. Tu n'imagines pas à quel point je suis ennuyé cette cellule. D'ailleurs, je serais sûrement mort depuis. Je n'avais pas été capable de sécréter de la colle pour me divertir. Faisons l'école vite, petite Agnelle. La chimiste n'est pas à attendre. Ils ont commencé à transporter cette espèce de boue noirâtre sortie de nulle part, si tu veux mon avis. C'est un coup des trois directeurs. Aussi belle que désespérée, la vue rappelait une vérité universelle. La père ne pourrait jamais vaincre la reine. Elle avait autant de chances de gagner que de renverser une montagne en soufflant. Les faiseurs lui avaient confié une tâche digne de Sisyphe. Une quête sans espoir. Qui au final ne signifierait rien. Père n'était qu'une brindille, un être faible et fragile aux os cassant son ascension. Elle reflétait sa propre arrogance et elle savait au fond de son âme qu'elle finirait par tomber.
Playing dice may be my biggest vibe. Still, take my advice. Kiss me before you toss. Though I may have lost a coin or two, gambling my pouch. You found hey, my is this thing on? By chance. Anyone out there? Elle a commencé enfin à comprendre qu'elle ne gagnerait jamais. Elle attendait même, elle savait que sa cause était perdue d'avance. Je me sens pas bien du tout décidé. Tu as raison, mais comme si une angoisse énorme tout d'un coup, tu comprends? States with a new card. Many's more, indeed. Hello. Help me, sir. Hello. I don't know, Dicey. What was Mr. supposed to do? It may have looked like Eva knew what she was doing, but it was all a bluff. And she was going to get mortally wounded any second now. Oh, jeez. Oh, thanks. I believe in you too, Dicey. Herself for fighting back, almost as much as everyone else hated her too.
Allez, allons le finir. Oh, bonjour, petit bonhomme. Pouvez-vous parler? Vous n'avez pas vu un alchimiste par hasard? Je vois souvent, oui, petite bonne femme. Je vois souvent à chaque fois que je regarde dans le miroir. C'est vous, l'alchimiste. En effet, oui, j'ai cru que le visionnaire m'enverrait une championne un peu plus impressionnante. Eh, hey, moi, au moins, je n'ai pas peur quand on me marche dessus. Ah, l'impertinence de la jeunesse, c'est presque rafraîchissant. Je vois que tu as un petit dé. Bonjour, c'est Decise.
Tu crois me faire impressionner? Une véritable lanceuse de dés ne se contente pas de lancer le dés. Je suppose que tu ne l'as pas encore compris. Écoutez, nous sommes partis du mauvais pied et ça, on prenait tout depuis le début. Il n'y a ni bon ni mauvais pied. Je n'aime ni les mots, ni les sottes, ni les enfants. Toi, tu es les deux. Laisse-moi t'expliquer ce que je fais ici. J'utilise des matériaux bruts comme des ingrédients, des teintures et des essences afin de que les cartes expriment tout leur potentiel. À présent, bien sûr, la reine ne nous laisse créer que ses cartes. Et pour cela, j'ai besoin de métaux que je vous trouve dans les ordures comme on voit de Nimbourg. Vous voulez dire que les robots sont fabriqués avec des déchets de, ma ville natale? Ah, une petite unarde, bien sûr. Votre seule utilité à toi est semblable de fournir les matériaux bruts pour fabriquer les robots qui se mettent à l'IA sous le charme de la reine. J'imagine que tout ça est à faux. Vous êtes tous des collaborateurs involontaires de la reine. Des collaborateurs volontaires et ces cartes, alors, ça avance? Nous sommes tous compromis par la reine. Quant à toi, tu es plus maligne que tu en as l'air. Je suppose que tu t'attends de moi une carte pour affronter la reine. Les autres faiseurs de cartes fabriquent la carte de mes rêves. Je n'en doute pas. Le visionnaire prend toujours des décisions surprenantes et pourtant correctes. Bien, tu sais que la reine vit à Sextopie, n'est-ce pas? Évidemment. Pas la peine d'être méprisant. Dans ce cas, tu dois aussi savoir que Sextopia est coupée du reste d'Alia, non? Personne ne peut l'atteindre, ni d'ici, ni d'ailleurs. Allez-vous m'aider à créer ma carte? Non seulement je ne la connais pas, mais tu n'es qu'une enfant. Je ne vois aucune raison de t'aider, quoi que ce soit. Sextopia est coupée du reste d'Alia, mais comment? Tout ce que je sais, c'est que personne en Alia ne peut y atteindre. Crois-tu que nous resterions ici dans les ruines de notre ancien monde si Sextopia était atteignable? Essaie de réfléchir comme une adulte, voyons. Comment fait-on pour atteindre, alors? Comment je fais pour... Tu sais donc pas, pourtant tu as... Oh, bon, ça. Tu es vraiment qu'une enfant. Dis-moi tout ce que vous savez sur la reine. J'en sais beaucoup sur elle, je connais son histoire. Je sais ce qu'elle a fait, je sais aussi que c'est un assez redoutable. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle fait tout cela. Je me refuse à croire qu'elle ait si torturé ce monde sans une bonne raison. Soit elle désire quelque chose, soit elle craint quelque chose. J'ignore quoi qu'il s'agit. Si elle désire quelque chose, si elle craint quelque chose, de quoi s'agit-il? Je l'ignore à pleine langue, recherche tout ce que je peux dire. C'est qu'il existe quelque chose que la reine, quelque chose ne se trouve nulle part en Alia. Il ne reste donc qu'une seule possibilité, cette chose est dans son château en Sextopie. Mais pourquoi craint-elle quelque chose dans son château? Tu comprends enfin mon problème? Si elle désire quelque chose, de quoi s'agit-il? Il y a des choses que moi-même je voudrais, sans pouvoir être qu'elle puisse satisfaire tous ses désirs. J'ai mené une enquête. Je mène une quête pour sauver ma sœur, renverser la reine. Sa sœur est enlevée par la reine. Et c'est vrai, elle n'a sans doute déjà plus rien à voir avec la personne que tu connaissais. Même si le cas ne va pas revenir dans le cas second partie, la quête, elle aura noble qu'impossible et insensée. Et pourtant, les autres t'ont emporté leur aide. Je n'accorde guère de crédit à la peintre et aux couleurs, mais le visionnaire, c'est digne de mon respect. S'il a vu en toi quelque chose que je ne perçois pas, je devrais peut-être vérifier de plus près. Vous allez m'aider, alors. Eh bien, je vais t'aider pour ta carte. Soi-disant carte de tes rêves. J'aimerais que ma carte me donne 15 minutes d'invisibilité, non, 30. J'aimerais que ma carte transforme la reine en grenouille pour que je puisse écraser. J'aimerais que ma carte me permette de remonter le temps autant que je veux. Vous voulez savoir de quel pouvoir je rêve pour cette carte? Tant pis, tu n'es qu'un enfant. Tu rêves de jouer de bonbons. Je sais déjà tout ce que je dois savoir. À présent, recule. Ah, voilà. Pile au bon moment. Madame, il me faut une mèche de tes cheveux. Alors, la magie, la science, un coup. Et maintenant, il me faut quelque chose qui vient de ta ville natale. Mais étant donné que nous sommes entourés d'ordures, ce ne sera pas un problème. Et pour finir, tiens. Perfect.
Voilà, comme toujours, il peut se permettre. Pourquoi va se planter là? Peut-être tu as un travail à faire? Non, Phil. Your cart went that way. Now you need to follow it. What are you waiting for? A treat? Go! You'll get no lollies from me, child. Oh, cette fille était bien loin de chez elle et ses parents lui manquaient terriblement. Elle n'avait qu'une envie de faire demi-tour et de s'abandonner. Oh, really miss my parents. Par manque de ses. I know, but je sais, mais il me manque quand même. La père se rappelait qu'elle duel, ses points étaient nuls.
Père était une vilaine petite fille, personne ne l'aimait. Enfin, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je me dégoûte. Non. Oh, ah, Dicey, toi aussi, tu es génial, merci. Thanks, buddy.
Et voilà, facile. Dégâts plus santé égale, santé égale, non. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Lost in Random, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah.